Pour faire un bon militaire, il faut savoir obéir, surtout bien savoir se taire et ne pas trop réfléchir. L'attitude réservée, il faut se montrer prudent, surtout pendant la corvée, quand arrive l'adjudant. Dès qu'on voit sa silhouette, l'un attrape la brouette, l'autre attrape le balai, il faut voir comme on en met. On fait tout, tout en vitesse, on se bouscule, on se presse, on croit régnant d'un pétard, qu'on a le feu quelque part. On soulève de la terre un nuage de poussière, on court après un papier que le vent veut emporter. On prend une feuille dans un coin, on la pousse un peu plus loin, et on jette des seaux d'eau qu'on en sue tant on a chaud. Oui, mais dès qu'il est parti, et je t'emmène à la campagne. Oui, mais dès qu'il est parti, on fait tout au ralenti. Dans la chambre, on tire sa flemme, étendue sur le plumard. Des loustiques de la troisième, c'est elle qui sera le plus flemmard. On s'étire, on baille, on rêve, mais dès qu'on voit le sergent, aussitôt tout le monde se lève et hardi petit mézian. En vitesse, Parvillier se met à cirer ses souliers. En vitesse, Chamoisie se met à frotter son fusil. En vitesse, Poturon, assis que son ceinturon. En vitesse, Galipette rapetasse ses sochettes. Comme un vrai épileptique, Béchu saute sur l'encaustique. En vitesse, Bézuquet se met à frotter le parquet. En vitesse, Bigarot se met à frotter les carreaux. En vitesse, l'hippocampe se met à frotter le verre de lampe. En vitesse, du fémur se met à frotter les murs. En vitesse, pousse à fond se met à frotter le plafond. Et vraiment, c'est insensé, on dirait qu'on est pressé, et on fait tout tellement vite qu'on attrape la gigite. Oui, mais dès qu'il est parti, tu nous rases et va te faire fiche. Oui, mais dès qu'il est parti, on se remet sur le lit. Pour l'inspection générale, on attend le général, et ça ferait un scandale s'il trouvait quelque chose de mal. Dans la cour de la caserne, sur deux rangs, 2000 troupiers, avec les sacs et gibernes, sont alignés l'arme au pied. Dans un coin silencieux, le colonel est nerveux, à côté des commandants s'agite son trépidant. Et aussi le capitaine se gratte l'oreille et parle à peine. Et aussi le lieutenant s'énerve tout frétillant. Et aussi les adjudants, qu'ils ont peur d'un accident. Aussi les sergents-majors, qui ne commandent pas trop fort. Aussi les sergents fourriers, qu'ils ont l'air de se méfier. Et aussi les vieux sergents, qu'on peur qu'on les foute dedans, qui passent devant leur section une dernière inspection, et qui disent aux pauvres troupiers: êtes foutus comme des pompiers, remontez ce pantalon, mais voyez bien qu'il est trop long. Et le vôtre, vas-y court, mais voyez pas qu'il est trop court, changez vite ce képi, voyez bien qu'il est trop petit. Et aussi celui de Durand, ben voyez pas qu'il est trop grand. Pétalus et Pétarbourg, vous serez consignés deux jours, et deux jours à Chamouillet pour son fusil qui est rouillé, et trois jours à Dupiton qui lui y manque un bouton, et quatre jours à Valissac qui a pas nettoyé son sac, et cinq jours à la Frisette qui a pas lavé sa musette, et six jours à Bridouillé qui n'est pas débarbouillé, et sept jours à Greluchon qui a un bidon sans bouchon, et huit jours à Malissette qui n'a pas vissé son chède. Au nom d'un pétard bidasse, montrez-moi cette godasse, ne te vous pas un peu fou, mais voyez pas qu'il manque un clou. Le général en voyant ça, scrogneux, qu'est-ce qu'il dira? C'est encore moi qui punira, zut, ça y est, bon Dieu, le v'là. On ne bouge pas plus qu'une souche, on entend voler une mouche, et tout à coup le général au grand galop sur son cheval. Il arrive dans la cour, en vitesse il en fait le tour, patatrou mais patatrou, il ressort au triple galop. Ouf. Et sitôt qu'il est parti, et je t'emmène à la campagne. Oui, sitôt qu'il est parti, on se remet au ralenti. Ah.